Déjà, moi, ça va très, 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 très bien. Voilà, ça se passe avec mon club. Je suis avec mes copains du centre de formation. Voilà, c'est une belle ville aussi. En plus, on est à côté de Paris où j'ai grandi, donc voilà, c'est parfait pour moi. Ma première saison avec l'effectif pro, c'est voilà, une saison de découverte, quoi. Voilà, c'est la première fois que je suis sur le banc en Ligue 2, toute une saison. Et apprendre comme ça, en plus avec un bon gardien comme Mathieu Gargelin. Donc, je suis très content parce que aussi j'ai joué un match en Coupe de la Ligue. Voilà, le coach m'a fait confiance, donc voilà, je suis très 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 heureux. Depuis mes 5 années passées ici, j'ai pas eu trop de difficultés, hein. Ça s'est toujours passé bien. Voilà, j'ai connu les équipes de France jeunes. Après cette saison, c'est vrai que je joue moins. Mais voilà, là c'est les pros, donc c'est un peu normal que je joue pas, mais franchement sinon ça se passe très bien. J'ai choisi le HAC parce que voilà, ils ont formé des très très bons gardiens, comme Steve Mandanda, comme Zachary Boucher, comme Brice Samba, comme Nicolas Duchesne. Dès que j'ai signé ici, j'ai visité le centre de formation et j'ai vu ce genre de photos au centre de formation. Voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Un gardien qui m'inspire actuellement, c'est Steve Mandanda. C'est un très bon gardien. C'est le gardien le plus performant en France actuellement. Donc voilà, Steve Mandanda, pour moi, est le meilleur gardien français actuellement. Mes relations avec Mathieu Gargelin, voilà, c'est une bonne relation. C'est que c'est vrai qu'on a un peu d'écart avec l'âge, mais franchement on est bien, on s'entend bien, on donne quelques conseils. Voilà, pour moi je dirais que c'est une très bonne relation. Si je dois garder un conseil de Mathieu, il me dit souvent de bien travailler en salle, parce que voilà, il a connu ce poste de deuxième gardien. Il me dit souvent de bosser, de rien lâcher. Je dois m'améliorer plus en salle, parce que voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas que sur le terrain qu'il faut être bon, c'est important. Moi, mon avenir, je le vois ici, hein. Voilà, c'est mon club formateur, m'a posé ici. Là, ça serait une fierté de démarrer ma carrière dans mon club formateur. Voilà, le HAC m'a quand même donné. Donc voilà, pour moi, ça serait une grosse, grosse fierté d'évoluer en pro ici.